Les forces armées de la République démocratique du Congo ont signé une directive conjointe des opérations avec la mission des Nations Unies au Congo. La cérémonie s'est déroulée le 7 décembre 2021 dans la salle de réunion de l'état-major général. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussese Célestin, a souligné dans son mot de circonstances que cette directive est signée dans un contexte national caractérisé par les opérations offensives menées contre les forces négatives dans la partie est de notre pays. Il est tout aussi indiqué de rendre un vibrant hommage au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour construire les conditions de paix sur l'ensemble du territoire national. Cette directive est un cadre favorable à la progression dans la même direction en ce qui concerne la conduite des opérations conjointes, d'autant plus qu'elle permet de partager des valeurs et cultiver un climat de confiance mutuelle. Il faut souligner que cette directive sera signée dans un contexte national caractérisé par des opérations offensives menées contre les forces négatives qui écument l'est de la République démocratique du Congo. Prenant la parole à son tour, le commandant de la force de la MONUSCO, le général Alphonse Dacosta, a souligné que cette directive va matérialiser l'application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui sera observée par l'ensemble de la force de la MONUSCO. Nous sommes en train de signer mon accord, ma directive pour des opérations conjointes avec la FARC, en disant que c'est les deux rôles de la force des Nations Unies ici sera avec ces documents signés avoir plus d'espace de travailler ensemble. Avec ces documents qui vont être signés maintenant, nous serons plus efficaces, je pense, en soutenant la FARDC et mettre nos rôles ici dans le Congo en plus d'évidence pour le bénéfice de toute la population concernée. À la fin de la cérémonie, le général Alphonse Dacosta a répondu aux différentes préoccupations des chevaliers de la plume qui voulaient en savoir plus sur cette directive des opérations conjointes entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas passé par qui, parce que je suis dans le pays tropical qui a déjà aussi. J'ai travaillé avec tous les pays de l'Amérique du Nord, la manière qu'ils se battent ici avec vraiment de la courage. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes gens qui perdent sa vie pour défendre sa patrie. Et une chose qui m'étonne beaucoup, excusez-moi, qui n'est pas fait le nom dans la presse. Les soldats congolais sont des soldats de votre pays. Donc on est déjà là, parce qu'ils se battent. Ils se battent d'une manière que je même je dois pas faire ma salutation militaire. La République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda déterminés à mutualiser les forces pour détruire les ADF, un ennemi commun en Ituri et dans le Nord Kivu. Objectif, imposer la paix et stabiliser la région. Voilà ce qui justifie l'arrivée ce mercredi à Bunia du ministre ougandais de la Défense, l'honorable Vincent Bamulangaki, accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny. Monsieur le ministre de la Défense de l'Ouganda, Excellence, le détachement d'honneur de la 32e région militaire est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail à Bunia. Je vous invite à passer le détachement en revue. C'est confié à la presse. Le patron de la Défense ougandais s'est exprimé à ce terme. Nous sommes arrivés ici et nous nous visitons en tant que frères. Et comme vous le savez, nous avons un ennemi commun. Et vous savez, quand un voisin crie, il dit, venez au secours, on ne peut pas refuser de secourir le voisin quand il y a un problème. Pour sa part, premier vice-président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, Jacques Ndjoli appelle la population de l'Ituri à soutenir les forces armées de ces deux pays pour la neutralisation de ces ennemis de la paix. Nous avons décuplé la puissance de feu en définitive. L'objectif, c'est la paix. Et la paix ne se construit pas simplement avec les armes. La paix se construit aussi avec les âmes, c'est-à-dire les prédispositions de toutes les communautés
à déposer les armes, à venir, construire cette nation, ce vivre ensemble qui doit constituer les soubassements de notre devenir commun. Il faut préciser que le député national et sénateur des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu multiplie des rencontres avec différentes couches sociales de Bunia pour la vitalisation des forts actuels de l'état de siège en vue d'une victoire finale sur les groupes armés. Si au front nord, le FARDC poursuive la traque de groupes armés au front sud, l'air est au retour des populations dans leur milieu d'origine après l'imposition de la paix par l'armée. Plus de 400 ménages de déplacés regagnent volontairement leurs habitations depuis le mardi 30 novembre 2021 dans les chefferies de Baïma Bouga, Baïma Mitego, Basili et Walese Vonkoutou en territoire d'Iroum. Retour saluté par les charrois automobiles de l'armée disponibilisés par le gouverneur de province. Lieutenant général, le Bouyan Kachamadjoun est motif de satisfaction pour ces populations. En tout cas, pour cas de militaire, on a fait un peu de courage, on a fait un peu de courage, on a fait un peu de courage, militaire, on a fait un gouvernement, on a fait un peu de courage. On a fait un peu de courage, on a fait un peu de courage, on a fait un gouverneur de courage, on a fait un peu de courage, on a fait un peu de courage. Le coordinateur de l'ONG Projet Coopérative de Pikimé de Balesse, Prokopiba, dont 41 ménages sont aussi concernés par ces retours, salit les actions militaires à la base de la calmie de la région. D'abord, je remercie le gouvernement provincial qui a pris quand même une décision de retourner, de faire retourner ces Pikimés. Quand même, c'est une bonne appréciation. Ces retours volontaires, débutés le 30 novembre dernier et qui se poursuit sur les axes Bunia, Boga et Bunia Komanda constitue un indice de l'amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs coins de l'Ituri à cette période de l'état de siège. Encourager et soutenir le FARDC engagé dans les opérations contre les forces négatives, ses devoirs civiques et patriotiques pour le Parlement de jeunes de la ville de Bunia. Engagement pris lors d'un échange avec le lieutenant général Luboyan Kachamadjoni autour de la situation sécuritaire. Ces jeunes soucis de voir leur province pacifiée complètement ont exhorté l'armée à intensifier les opérations pour l'éradication définitive de groupes armés. Nous avons cette opportunité-là de lancer un message aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui soient rassurés de l'accompagnement de la jeunesse que nous représentons et certainement nous rendons aussi un vibrant hommage à ceux-là qui ont perdu leur pour que la paix revienne en Ituri. Dans le même cadre, ces jeunes réitèrent leur volonté à collaborer et à dénoncer tous les fauteurs de troubles pour permettre à l'armée de restaurer l'autorité de l'État. Nous nous sommes engagés à faire des sensibilisations à la l'adolescence d'élever de la conscience et de la conscientisation de la jeunesse. Tout à l'heure disait que ce que nous sommes en train de détruire, ça va nous rattraper. Et nous n'avons pas intérêt à continuer à détruire l'Ituri parce que c'est l'unique refuge pour nous. Et ces pays dépendra de ce que nous allons faire aujourd'hui. Si nous allons continuer avec ce que nous voyons aujourd'hui avec l'activisme des groupes armés, certainement notre province va sembler quelque chose qui n'a pas existé et demain nous serons redevables à la génération qui va venir. La semaine dernière, les forces armées ont pilonné deux bastions de la milice Codeco dans la région de Mungwalu, réduisant ainsi la capacité de nuisance de ces hors-la-loi. Une action saluée à l'unanimité par toutes les couches de la population de l'Ituri. Pour mener à bien la traque de forces négatives en Ituri et créer un climat de confiance entre la population et l'armée, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachamadjoni, lutte contre les cas d'indiscipline dans les rangs de FRDC. Deux militaires impliqués dans les meurtres de trois civils le mardi 30 novembre en ville de Bunia sont mis aux arrêts et devront répondre de leurs actes, affirme le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Nous compatissons d'abord avec les familles des victimes, plaire à ces moments.
par rapport à cette meute que nous avons commis hier vers 18h-19h. Et ce sont les deux éléments. Donc l'un a été, nous l'avons arrêté aujourd'hui par négligence, et l'autre, c'est lui bien qui a ôté la vie à ses compatriotes. Et cela veut montrer aujourd'hui que nous luttons et nous menons une lutte acharnée, une lutte sans merci contre toute forme d'insécurité, à l'interne, c'est-à-dire au sein des forces armées, mais aussi à l'externe, contre tous les criminels et bandits qui sont auteurs des tueries, criminalité urbaine. Un avertissement est ainsi donné à tous les éléments de forces armées censés sécuriser la population, et c'est bien dans le respect des règles d'engagement et de comportement. Signalons que, mis à part les civils tués, deux policiers ont été blessés par les mêmes militaires indisciplinés au centre-ville de Bounia pour des raisons non encore élucidées. Le territoire de Djougou, foyer de la violence entretenue par le groupe armé Kodeko, doit retrouver sa quiétude pour son développement. Message de l'administrateur militaire de Djougou au cours d'une rencontre avec les forces vives de Tchomia dans la chefferie de Bahema Banyoui. Pour y parvenir, le colonel Jean Ladis Mabosso compte sur la collaboration de la population locale, comme le prône le militaire de l'Ituri, pour barrer la route à toute force ennemie. C'est que je voulais demander, c'est quoi? C'est vous le chef des entités, des ETI. Comme j'ai aussi l'habitude de le dire, ceux-là qui ont pris les armes, jadis, ont resté ensemble avec et comme ça. Nous les connaissons. Nous avons aussi les numéros de contact. Si on pouvait faire d'une pierre des coups. Parce que notre objectif, c'est la paix. C'est la paix, rien que la paix. L'appel est tombé sur une bonne mine. C'est madame le chef du bureau du genre de ces territoires promet de transmettre fidèlement ces messages de paix. Je donne aux mamans ce que les mamans d'ici même là puissent prendre la décision d'aller dire dans chaque ménage, dans leur foyer, que la guerre n'est pas bonne. La guerre a beaucoup de conséquences. Et les conséquences pour lesquelles sont butées, ce sont les femmes et les enfants. C'est eux qui transportent les majeures conséquences. C'est pour ça le message clé que si on le fait, je crois qu'on aura la paix, on aura la sécurité. Au stade actuel, les élus nationaux en mission parlementaire sensibilisent toutes les forces vives à soutenir les forces armées engagées dans la destruction de tous les bastions de ces groupes armés en vue d'imposer la paix et stabiliser l'ensemble de la province de l'Ituri. La sécurité de la population et ses biens, tels que dévolus à la police et l'armée, nécessite aussi un encadrement moral et spirituel de forces de l'ordre. Voilà pourquoi le maire de la ville de Bounia, sous l'impulsion du gouverneur militaire de l'Ituri, a doté l'aumônerie de la police nationale congolaise d'un nouveau bâtiment. Ce temple érigé au camp PEM a été inauguré le dimanche 28 novembre dernier à la satisfaction des éléments de la police et leurs dépendants. Représentant les gouverneurs de province, le général Clément Bitangalo, commandant 32e région militaire, a profité de l'occasion pour appeler les uns et les autres à l'amour tel qu'il est recommandé par l'Éternel, Dieu des armées. La rancœur, la jalousie, la haine, tout ça vient du cœur. Et si nous pouvons être enseignés et pouvoir désarmer nos cœurs, ça sera déjà faire une partie du travail pour lequel le commandant suprême, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété l'état de siège ici à l'Ituri. Pour l'aumônier en chef de la police nationale congolaise, au-delà des opérations menées pour éradiquer les forces du mal, la mise en application de la parole de Dieu s'impose pour le retour d'une paix durable en Ituri. La construction du temple par le Christ humain de la ville pour la moralisation des policiers et leurs dépendants. Ceci parce que vous avez compris que la pacification de la province vous confiée par le chef de l'État n'est possible que par la crainte de l'État.
au commissaire principal supérieur Chabwine John Wamigo, maire de la ville de Bounia, d'appeler le bénéficiaire à s'accaparer cet ouvrage. Les gérants vont faire des familles. Nous avons mis ce bâtiment à la disposition d'un responsable, d'un référent pasteur qui doit normalement bien les gérer, bien entretenir. Par ailleurs, le patron de l'hôtel de la ville de Bounia a annoncé la construction dans un avenir proche des centres d'encadrement des épouses des policiers et des enfants de Larry dans son entité. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Voici ce que vous devez savoir sur les attaques qui ont eu lieu ce matin dans la commune rurale de Mungwalu, en territoire de Djougou, secteur Banyalikilo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute ce matin un groupe de miliciens Codeco lors d'une tentative d'incursion déjouée par votre armée. Dans leur fuite devant le rouleau compresseur de forces armées, la population locale a bravé la peur en répondant à l'appel du gouverneur et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, à la résistance patriotique et populaire qui a permis de capturer 9 éléments de groupe armé Codeco qui sont à présent entre les mains de services de l'ordre. Par ailleurs, dans la même matinée, les forces armées ont bombardé les deux bastions les plus fortifiés de la milice Codeco. Il s'agit des BC et Brésil, en territoire de Djougou, en secteur de Banyalikilo. Ces opérations ont été menées de manière professionnelle. Sur le sol présentement, les unités spéciales poursuivent les opérations de fouilles et de ratissage dans la zone pour neutraliser d'autres miliciens qui sont en errance. Au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, nous remercions et encourageons toute la population qui a résisté aux forces du mal. Et donc, le milice Codeco, aujourd'hui dans la commune rurale de Mungwalu. Le bilan de ces opérations sera communiqué dans les heures qui suivent. Pour le moment, la situation demeure sous contrôle des forces de sécurité et de défense. La mobilisation de tous derrière les forces armées, c'est qu'il faut en ce moment pour pousser nos militaires à la victoire finale. Si les groupes armés, dans la même optique, un collectif de députés nationaux, à ce jour à Bounia, exprime son soutien aux forces loyalistes engagées sur le théâtre des opérations et appelle les groupes armés à déposer les armes et à s'inscrire dans la logique de la paix, tel qu'il est dit son coordonnateur, l'honorable Gratien Iracha. Si le chef de l'État, dans ses prérogatives, a décidé de décréter l'état de siège, c'est dans ses prérogatives. Après un mois, c'est l'Assemblée nationale qui a les prérogatives de proroger. Et chaque fois, vous avez vu, la prorogation est faite après avoir voté à majorité. Nous ne devons que nous incliner. Nous sommes face à un ennemi qui vit parmi la population, qui collabore avec notre population. Donc, nous n'allons pas vous dire ce qui est prévu. Franchement, vous allez nous excuser, mais on ne saura pas vous dire. C'est un secret de défense. Au sujet de la mutualisation de forces entre la RDC et l'Ouganda pour neutraliser les ADF, le leader Bounia reste rassuré. Quant à sa réussite, on va mutualiser ses efforts et on va respecter les droits humanitaires et le gouvernement travaille jour et nuit pour que tout soit bien fait. Il faut préciser que plusieurs rencontres sont prévues dans l'agenda de ces élites nationaux pour sensibiliser la population à barrer la route à toute force visant à déstabiliser la province de l'Ituri. C'est lundi 6 décembre 2021, le général de brigade Anton Longondja Lobanji, commandant base logistique centrale à d'intérim, a effectué une visite d'inspection et de travail dans les installations de cette grande structure des forces armées de la République démocratique du Congo.
Il a inspecté tour à tour les ateliers de couture, menuiseries et de cordonneries où sont entrepris les réfectionnements des machines et réaménagements des locaux pour insuffler une nouvelle dynamique. Ici, le général Longondjo circonscrit les cadres. L'industrie militaire qui prône le ministère de la Défense peut avoir son berceau à partir de la base de l'Office central. Le chef de l'état-major général veut que nous commençons à fabriquer les tenues à partir de nous-mêmes. C'est pour cela que nous mettons en œuvre nos machines, nous réparons les machines, nous entretenons les machines pour attendre l'arrivée des tissus et on va confectionner les tenues à partir de cela. Profitant de l'occasion, le général-major Assoumani Issa, commandant corps logistique, a épinglé les objectifs et activités logistiques réalisées. Il a signifié que le corps logistique s'inscrit dans la vision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui envisage la production locale des équipements militaires pour ne plus recourir à l'importation. Pour cela, le commandant corps logistique travaille d'arrache-pied avec tous les collaborateurs pour la matérialisation de la vision du commandant suprême. Sur instruction du commandant suprême, d'arriver à mettre sur pied une industrie militaire. Nous avons la mission principale de soutien logistique de toutes les unités de FARDC. Et cette industrie militaire a plusieurs volets. Et dans cette industrie, il y a aussi l'industrie production. C'est dans ce cadre-là que le ministre de la Défense a mis des moyens à la disposition de la base logistique centrale. Par ailleurs, le colonel Pierron Mbolinko, commandant bataillon des ateliers, qui supervise bien sûr ces travaux, explique le fonctionnement des machines. On doit réparer la table. Parce que on commence d'abord par tracer les tissus et puis amener à la machine pour couper après la coupe. Maintenant, on donne derrière pour commencer la confection. Donc nous allons utiliser la méthode en chaîne. Nous avons aussi des machines spécifiques. Il s'y est de signaler que la base logistique centrale œuvre également dans la professionnalisation technique des militaires, soldats et leurs dépendants, même certains civils qui ne cessent d'y fréquenter pour leur stage professionnel. Là même, d'autres projets sont réalisés, notamment élevage, agriculture et la pisciculture, sous l'initiative du commandant base logistique, général de brigade Anton Longondjo. Merci. Stagiaires chauffeurs des forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu leur brevet de participation à la session de formation spéciale édition 2021. La dite cérémonie était présidée par le général de brigade Kinkiela Kambo André, commandant général en second des écoles militaires. Représentant les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo au mess des officiers et sous-officiers de l'école logistique située au camp Luano de la commune de Kintamo. Dans ce mode de circonstances, le général Kinkiela a d'abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour la vision de la formation continue des éléments de notre armée. Il a ensuite remercié le commandant du corps logistique pour son appui technique et financier à cette session de formation et le commandant école logistique pour son courage et son abnégation. Le représentant du chef d'état-major général a enfin félicité les lauréats pour la ténacité. Il les a exhortés de mettre en pratique les nouvelles techniques apprises. Aux lauréats de ce jour, je vous félicite de votre réussite et vous ordonne partout où vous serez de prendre grand soin des pays que l'on va vous confier. Je vous exhorte à garder toujours à l'esprit votre devise éternelle et immortelle. Ne jamais trahir le Congo. Auparavant, le colonel Landou Mwinga Kasimir, commandant de l'école logistique, a rendu un hommage au chef d'état-major général pour son implication personnelle dans la formation des forces armées de la République démocratique du Congo. Le colonel Landou a aussi remercié le commandant du corps logistique pour son soutien durant toute la formation des cadres instructeurs pour leur dévouement et féliciter le lauréat du jour. Il n'a pas manqué d'évoquer les difficultés rencontrées et donner quelques suggestions. Bien que le corps logistique ait déjà intervenu avant
avait déjà intervenu avant ce roulage pratique à l'entretien et réparation de trois jeeps, Land Cruiser et un camion Hamas à la base logistique Fédération de défense. Il y avait encore deux camions cylindriques et un camion Hamas non encore réparé. Les lauréats à l'IS ont tiré quelques photos devant la tribune de l'école logistique avec toutes les autorités invitées pour la cérémonie.